Comment allez-vous et bienvenue aujourd'hui pour la présentation d'une nouvelle trottinette électrique. On est sur la Enjoy S6. Bon, alors Enjoy, c'est une marque que je connais plutôt bien puisque j'ai déjà testé un de leurs vélos sur la chaîne et franchement il était nickel, d'ailleurs je l'ai toujours. Enjoy, ils sont plutôt spécialisés dans la conception des gros vélos électriques type fat bike et là du coup ils se sont mis à sortir une trottinette électrique. Donc c'est tout nouveau pour eux, c'est leur premier modèle, c'est un modèle assis. Donc déjà je vais vous parler un petit peu des spécifications qui sont notées sur le papier. On a une trottinette ici qui fait 23 kg. Donc bah, elle est pas légère, hein. Elle est pas si légère que ça, elle est pas si lourde que ça. Disons que par rapport aux autres modèles que j'ai pu tester précédemment, elle est un tout petit peu plus lourde. Elle a un grand deck de 23 cm de large. En même temps, pour une position assise, je trouve que c'est assez logique d'avoir un grand deck, histoire de bien positionner ses pieds. Donc là-dessus, le confort y est, nickel. Vous avez une selle qui est suspendue, réglable en hauteur, tout comme le guidon qui est réglable en hauteur également. Donc quand je dis suspendu, c'est suspension sous la selle. Donc ça, c'est cool. On va avoir deux pneus à crampons de 10 pouces, donc des pneus adaptés pour rouler dans le type de terrain où je me trouve actuellement, pas de souci par rapport à ça. Suspension avant, suspension arrière, lumière à l'avant, lumière à l'arrière, clignotant droite et gauche à l'avant, clignotant droite et gauche à l'arrière. Donc ça c'est plutôt cool, c'est la première fois que je teste une trottinette avec des clignotants, c'est plutôt sympa. Néon dessous la trottinette, alors là de jour vous allez rien voir forcément, mais c'est vraiment du plus bel effet, hein, avec des petites couleurs RGB et tout, ça donne franchement bien. Bon après ça c'est pas forcément le truc que j'allumerai, hein. T'as plus l'impression d'avoir l'air d'un sapin de Noël dans la nuit, mais pourquoi pas, voilà, ça peut plaire à certaines personnes, ça donne un petit style ou quoi. C'est joli, c'est sympa. Les poignées sur la trottinette qui vont être totalement rétractables, par exemple si vous voulez la plier et tout, la mettre dans un coffre, puisque oui c'est une trottinette qui est totalement pliable, hein. La selle se rabat, le guidon se rabat, les poignées se rabattent. Bon, une fois pliée, je vous dirai pas qu'elle prend plus du tout de place, mais forcément elle est un petit peu plus compacte. Moteur de 500 watts qui se trouve à l'arrière avec des crêtes à 700 watts. Alors c'est pas un foudre de guerre, hein. Alors je vous dis ça parce que dernièrement avec les trottinettes que j'ai testées, j'ai l'impression que 500 watts c'est la norme. Après c'est vrai qu'un moteur de 500 watts sur une trottinette qui fait 23 kg et un moteur de 500 watts sur une trottinette qui fait 15 kg, c'est pas la même chose. Alors après également tout dépend du poids, de la taille du conducteur, ça on est d'accord. Moi je vous parle de ma propre expérience personnelle, c'est vrai que par exemple j'ai l'habitude de prendre une grosse côte qui est pas très loin d'ici, donc une grosse montée. Faut savoir que la trottinette est capable de monter des pente jusqu'à 15%. Je pense que celle-ci doit faire vraiment plus de 15%, elle est vraiment énorme. Et donc en temps normal, par exemple avec la dernière trottinette qu'on a testée, j'ai pas eu de mal à la monter. Voilà, bon forcément tu ralentis un petit peu dans la montée, c'est normal, tu vois, parce que je vous dis elle est vraiment très raide. Mais là les mecs, je suis presque reparti en arrière, hein. Vous allez pas faire un rallye ou du cross avec, malgré qu'elle soit équipée effectivement avec des gros pneus tout terrain. Si on continue dans les chiffres, elle a annoncé pour une vitesse maximale de 45 km/h. J'ai atteint les 40, bien lancé avec le vent dans le dos. Autonomie annoncée de 60 km, n'y comptez même pas, mais alors ça c'est pas propre à Enjoy, hein. C'est tout le monde, ils ont l'habitude, je ne sais pas comment ils font leur test d'autonomie, mais ils ont l'habitude vraiment de tout gonfler. Vous pouvez minimum la diviser par deux. 60 km, c'est même pas l'autonomie que je fais avec ma Eagle One qui a une batterie de 18,2 ampères. Celle-ci a une batterie de 15,6 ampères à 48 volts, donc ne comptez pas faire 60 km avec celle-ci. Alors oui, après effectivement, il y a toujours moyen, hein, si tu roules à 10 km/h sur du plat avec le vent dans le dos pendant 60 km, tu peux les faire. Après si tu pars sur une utilisation classique, une utilisation lambda, où tu vas prendre des fois tu vas prendre des montées, des fois tu vas prendre des descentes, ça peut arriver que tu passes dans un petit chemin ou quoi, donc l'autonomie en prend toujours un petit coup lorsque tu passes dans des chemins qui sont un petit peu plus difficiles à prendre avec quelques aspérités et tout. En parlant des aspérités au niveau confort de conduite, bah franchement vous êtes nickel, c'est la première fois que je fais de la trottinette assis, hein, et au niveau confort, on sent aucune aspérité de la route dans la selle, on sent aucune aspérité de la route dans les pieds. Par contre on prend tout dans le guidon les mecs, hein.
Vraiment, le guidon clac, 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 clac. Et ça, je vais vous dire pourquoi. C'est tout simplement parce que vous êtes en position assise sur la trottinette. Votre poids, il est plus axé sur l'arrière. Donc, il n'y a aucun poids sur l'avant. Vos mains, elles sont juste posées sur le guidon. Et du coup, les amortisseurs, ils ne servent à rien du tout. Voilà. Et donc, ce qui fait que ça fait glac, 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 glac. Voilà. Glac, 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 glac. Je le fais bien. Alors que si vous étiez debout sur la trottinette, votre poids, il serait plus réparti. Vous aurez plus tendance à être sur l'avant du véhicule. Et là, effectivement, les suspensions, ils serviraient à quelque chose. C'est pour ça que je vous dis, au niveau de la selle, au niveau des pieds, la suspension fait super bien son taf au niveau de l'arrière et on ne sent pas les aspérités de la route. En revanche, vu que la suspension avant, elle sert presque à rien entre guillemets puisque vous avez votre poids sur l'arrière, et ben là effectivement le guidon il va trembler. Au niveau lumière, franchement ça marche super bien. La lumière à l'avant, elle éclaire très bien. La lumière à l'arrière, elle va être parfaite pour que vous soyez visible. Et puis avec les néons en dessous, vous aurez l'air d'un sapin de Noël, donc aucun problème pour être visible sur des kilomètres si vous êtes en pleine nuit. Niveau look design, vous pouvez le voir, je la trouve franchement jolie. Alors je trouve pas que c'est le plus beau des modèles qu'on a testé sur la chaîne hein, mais elle est jolie, voilà. Je trouve qu'elle se démarque quand même par rapport à ses clignotants ou quoi, ses gros pneus cramponnés. Après moi je vais pas vous mentir, la trottinette assis, bon c'est la première fois que je teste et c'est pas mon truc. Vraiment je trouve pas ça, je sais pas, je trouve pas ça top. Alors après pour le confort de conduite et tout, il n'y a pas de souci, hein, c'est nickel. Quoique déjà un petit point à voir, c'est au niveau de la stabilité. Contrairement aux idées qui pourraient être reçues, je ne sais pas, hein. Moi en tout cas c'est l'idée que je me suis fait, je me suis dit que ça va être plus stable si on est assis que debout, et ben pas du tout, voilà, c'est pas plus stable assis que debout, voilà. Il n'y en a pas un autre qui est plus stable que l'autre, mais c'est pareil assis, c'est pas plus stable. Maintenant cette trottinette, elle a été pensée pour en faire en position assise. Au niveau du freinage, on part sur deux freins à disque, donc avant et arrière, ça freine super bien, ça répond super bien, aucun problème par rapport à ça. Je vais tout de suite vous montrer comment la trottinette sort pied. Alors c'est pas très compliqué, hein. Au passage, le cran de sécurité est vraiment bien fait, hein. Il suffit hop de faire ça, voilà, le guidon dans un premier temps, la selle dans un deuxième temps. Et puis voilà. Et bien sûr, on peut rabattre les poignées du guidon, comme je vous le disais. Et je vais me casser la gueule. Bon, alors un autre détail, mais vous allez peut-être me dire que je chipote, hein, le pourquoi du comment, j'aime pas trop la position assise sur la trottinette, c'est au niveau du style. Ouais, je sais, mais eh ben, ça compte, les mecs. Hein, voilà. Là, t'as plus l'air de fantomètre qui part en mission que quelqu'un qui fait de la trottinette électrique. Voilà les mecs, moi personnellement tu viens me braquer assis sur une trottinette électrique, t'es pas crédible, voilà, ton charisme il est minimum divisé par 5 quoi, minimum. On continue cette fois-ci au niveau du compteur qui est très basique, très simple, très efficace, hein, voilà. Vous avez les barres d'autonomie qui sont en haut, vous avez les kilomètres heure juste en dessous et vous avez après le nombre de kilomètres que vous avez fait pendant votre voyage, le nombre de kilomètres depuis que la trottinette a été allumée et le voltage de la batterie. Donc très simple, très efficace, pas d'application. Alors un truc que j'aime moins encore une fois, mais ça c'est beaucoup de vélos qui font ça malheureusement, c'est au niveau de la batterie, au niveau des barres d'usure de la batterie. C'est-à-dire que c'est une barre qui va descendre sur l'effort de la trottinette. Par exemple, tout à l'heure j'étais vraiment en train de monter la méga côte, hein, je vous le dis, et là tu vois ta batterie qui descend à une barre, les mecs. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais pouvoir rentrer chez moi avec la trottinette ou est-ce que je vais la rentrer en poussant à côté, tu vois? Et après, une fois que tu as monté la côte, tac, tu as toutes les barres qui remontent à fond, tu vois. Donc ça me plaît un petit peu moins, la batterie qui descend sur l'effort du moment. Tu vois, par exemple, quand je suis au taquet, la poignée dans l'angle, et ben sur une ligne droite, je vais être à 3 barres tout de suite. 3 barres sur 5, alors que dès que je décélère, ça va remonter à 5 barres. Personnellement, je préférais un compteur qui me dit, voilà, il te reste tant de pourcentage de batterie, point. Bon, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour de cette trottinette. Hein, si vous voulez réagir dans la barre des commentaires, c'est fait pour, je vous répondrai. Si vous voulez en savoir plus sur cette trottinette électrique Enjoy S6, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve en barre de description. Et puis, je crois qu'on a fait le tour, les mecs. Hein. Ah si ? Elle a un klaxon électronique. Ça, c'est cool.